Je suis pas très bien récompensée pour tout le travail que je fais. Ce sont bien souvent des enfants à qui on va demander de rattraper tout leur retard scolaire, de faire les feuilles qu'ils n'ont pas réussi à faire, de faire toutes ces feuilles le soir à la maison. Et donc on a des parents qui sont fatigués, on a des enfants qui sont épuisés, et on a des enfants qui sont en colère contre ça et qui ne croient plus dans le rôle de l'école. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire d'allègement, d'arrangement de l'espace classe et de ce qu'on peut leur donner comme tâche à accomplir. En primaire, j'ai toujours eu des très chouettes professeurs qui faisaient attention à moi et qui me valorisaient pas que pour mon travail scolaire. Donc ça, c'était chouette aussi, parce que par exemple, ma prof de 6e primaire, elle me valorisait aussi parce que je dessinais bien. Et effectivement, on adapte pas tant le travail directement de classe, quoi qu'on peut le faire à certains moments, mais en tous les cas, on peut adapter les exigences, on peut adapter le temps, on peut adapter les conditions dans lesquelles l'enfant va pouvoir faire son travail. Mais personnellement, je ne descends pas le niveau en disant oh, mon petit chéri, mais c'est pas grave. Non, je les emmène avec le reste de la classe tout en lui donnant d'autres limites.